Alors, Gianfilippo Antolini, très concrètement, aujourd'hui, quel était le sens de cette conférence de presse? Alors, le collectif Patriote et la Solidarité a tenu cette conférence de presse pour dénoncer les scandaleuses arrestations qui ont eu lieu la semaine dernière et qui ont amené à l'incarcération d'Antonio Esimoni et à la mise sous contrôle judiciaire de Nicolas Yubinsou. Nous exigeons que ce contrôle judiciaire, qui ne se justifie pas au niveau du droit, même pas du droit français, soit immédiatement levé, qu'il puisse retourner sur sa terre, travailler pour faire vivre sa famille. Nous exigeons la libération immédiate d'Antonio Esimoni. Nous disons que ces arrestations volontairement spectaculaires sont le fruit d'une réponse politique à la naissance du mouvement Nadjorn, qui a eu un succès populaire immense, avec une salle comble, avec un engouement depuis plusieurs mois, parce que nous dénonçons des choses qui sont vraies, parce que les choses que nous dénonçons, le peuple corse les entend et nous suit et nous soutient. Aujourd'hui, le parquet national antiterroriste n'a plus rien à voir avec une justice quelconque et n'a plus rien à envier à certaines juntes de certains pays bien connus. Nous sommes ici dans une volonté de frapper politiquement, dans une volonté de vengeance d'État, et nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas le tolérer. Donc nous appelons l'ensemble des Corses à nous rejoindre le 2 mars prochain dans la rue pour demander une solution politique au problème corse et pour demander la libération de tous les prisonniers politiques.